Le débat africain. Alain Foucault. Faux en écriture publique. C'est désormais l'infraction que dénoncent certains avocats contre le régime guinéen après les différences constatées entre le texte soumis au peuple et voté par référendum le 22 mars dernier et celui promulgué le 14 avril. L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle jugeant la requête introduite par le président de l'Assemblée nationale irrecevable n'a pas clos le débat sur ce que les juristes appellent la falsification de la Constitution du 22 mars. Sujet qui a désormais manifestement pris le dessus sur la question même de ce tripatouillage de la Constitution qui offre l'opportunité au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Comment sortir de cet imbroglio politico-judiciaire? Y a-t-il eu falsification de la Constitution? A-t-on le droit de retoucher le texte qui a été soumis et voté à référendum par le peuple? Que prévoit la loi dans ce cas? Quels sont les recours possibles pour ceux qui dénoncent désormais une délinquance juridique? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la modification de la Constitution en Guinée. Celle qui a été promulguée et publiée au journal officiel le 14 avril 2020 est-elle valide? Avec plusieurs invités en direct dans plusieurs capitales. D'abord Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. Maître Pépé Antoine Lama est celui qui a lancé l'alerte quant à la modification de la Constitution qu'il qualifie de falsifiée. Bonjour Maître Pépé Antoine Lama. Bonjour Monsieur Alain Foucault. Notre second invité est le député Souleymane Keïta, le porte-parole de la campagne référendaire et législative. Monsieur Souleymane Keïta, ancien conseiller chargé des missions du président Alpha Condé, est le coordinateur de la cellule de communication de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Bonjour Monsieur Souleymane Keïta. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Je précise que je fais partie du porte-parole et la coordinatrice est Domani Doli, honorable Domani Doli. Très bien. Et notre troisième invité est monsieur Aliou Ba, membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, un regroupement civique qui a initié une série de manifestations depuis le 14 octobre 2019 en Guinée pour protester contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution qui conduirait le président Alpha Condé à un troisième mandat présidentiel. Bonjour monsieur Aliou Ba. Bonjour monsieur Alain Foucault. Maître Cheikh Sako, notre quatrième invité, est avocat. Il est l'ancien ministre de la Justice qui a démissionné en mai 2019 du gouvernement guinéen, expliquant sa décision, son départ, par son opposition à la révision constitutionnelle envisagée par le chef de l'État, se plaignant de n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution malgré sa qualité de garde des Sceaux. Il vit désormais à Montpellier dans le sud de la France. Bonjour Maître Cheikh Sako. Bonjour monsieur Foucault. Notre dernier invité est en direct de Dakar au Sénégal, Dr Ousmane Kouma, enseignant-chercheur, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Dr Ousmane Kouma. Bonjour monsieur Foucault. Alors voilà pour notre plateau. Monsieur Souleymane Keïta, j'ai envie de me tourner vers vous. J'ai sous les yeux le texte de la Constitution tel qu'il a été soumis à référendum, mais aussi celui qui a ensuite été promulgué le 6 avril dernier et publié ensuite au journal officiel. Il y a pas mal de changements, j'en ai compté une vingtaine. Est-ce normal, est-ce légal d'intervenir, de retoucher ainsi un document qui a été soumis à référendum? Pourquoi l'avoir retouché ainsi? Merci monsieur Foucault. Je voudrais préciser d'abord que vous avez sous vos yeux, comme vous le dites, la Constitution qui a été soumise au référendum le 22 mars. Mm-hmm. Moi, je suis un peu étonné parce que avant le référendum du 22 mars, plusieurs textes constitutionnels avaient circulé à Conakry, bien avant même que le président n'ait pris l'acte solennel pour s'engager dans la voie du référendum. Donc nous pensons qu'il y a eu effectivement ces projets qui ont circulé et les gens ont eu la possibilité de s'exprimer là-dessus. Beaucoup d'acteurs politiques et sociaux ont eu la possibilité d'apporter des amendements, mais la dernière mouture de la Constitution, je pense que seule la Cour constitutionnelle peut se prévaloir de la tenir. Mais alors, qu'est-ce qu'on a alors soumis à référendum si le texte n'est pas publié, si les personnes qui vont voter n'ont pas lu le texte? Sur quoi ils ont voté alors? Il vous souviendra que dernièrement, à l'Assemblée nationale, nous avons décidé d'introduire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander la clarification autour de ces sujets. C'est possible, nous avons affaire à une opposition qui malheureusement est celle
dans la désinformation. Et vous comprendrez que à dessein, on peut faire circuler les textes, bien sûr, pour salir simplement le régime en place. La Cour constitutionnelle a été très claire dans son arrêt. La Constitution qui a été publiée dans le journal officiel le 14 avril est bien celle qui a été soumise au référendum. Maintenant, celui qui a la preuve contraire, il est important qu'il nous dise, bien entendu, bien le texte d'écrit. Vous savez, dans le travail préparatoire, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs documents. Il y a eu plusieurs documents. Il y a eu plusieurs documents, mais il fallait bien en soumettre un au peuple pour qu'il vote. Maître Pépé Antoine Lama, vous êtes celui qui avait lancé l'alerte quant à la modification de la Constitution que vous qualifiez de falsifiée. Lorsque vous écoutez ceci, on vous dit, celui que vous avez en main n'est peut-être pas le bon texte. Que dites-vous à cela? Écoutez, la question doit être toute simple. C'est quoi la dernière mouture qui a été soumise au référendum? Et là, je renvoie mon frère Souleymane Keta aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance numéro 1 portant référendum. Et cet article est clair. Le projet de constitution est soumis au et doit être publié autant pour moi au journal officiel et largement diffusé dans les médias publics. Et avant le référendum du 22 mars 2020, le seul projet qui a été publié au journal officiel, c'est bien ce document qui comporte 157 articles. C'est bien ce projet qui a consacré la candidature indépendante. Et c'est bien ce projet, n'est-ce pas, qui confère en son article 109, n'est-ce pas, à l'association des magistrats de Guinée, le pouvoir de désigner les deux magistrats qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle. Et ce document est totalement différent du texte qui a été publié au journal officiel le 14 avril 2020 comme étant nouvelle constitution de la République de Guinée. Alors vous allez excuser mon ignorance, hein, je ne suis pas un spécialiste des constitutions et dans ce domaine juridique. Celui qu'on soumet au peuple à référendum, il le connaît, non? Il vote sur quelque chose de bien précis, non? Oui, tout à fait. Et c'est un secret de polichinelle ici que le document publié au numéro spécial du journal officiel en janvier qui a été diffusé largement dans les médias publics, utilisé par les promoteurs de la nouvelle constitution sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas un document fabriqué par un opposant, c'est un document officiel qui est sorti, n'est-ce pas, du secrétariat général du gouvernement. Je mets M. Souleymane Keta au défi de me prouver que le texte qui a été publié comme étant la nouvelle constitution de la République de Guinée a été publié avant le référendum du 22 mars. Oui, mais dans le même temps, M. Souleymane Keta vous dit il y a eu des modifications avant le référendum, il y a eu un travail, que celui peut-être que vous avez est celui du travail préparatoire, qu'il y a eu des amendements entre-temps. Que dites-vous à cela? Oui, mais écoutez, on peut dire qu'il y a eu plusieurs montures, il y a eu des travaux, des documents préparatoires, ainsi de suite. Mmh. Mais il y a au moins un document qui doit être, qui a été soumis au peuple. Qui a été soumis au peuple. Ce document était connu. Mmh. Docteur Ousmane Kouma, sur le plan du droit, lorsqu'on dit qu'on va soumettre un texte à référendum au peuple, comment ça se passe exactement et est-ce qu'on peut le retoucher? Merci, M. Foucault. La situation est assez ubuesque et assez inédite. Ne tournons pas autour du pot. Vous-même, vous avez fait la comparaison entre le texte soumis à référendum, donc qui est rendu public, bien évidemment, et la constitution définitive promulguée et publiée. Je veux dire, c'est un minimum de transparence et de sécurité juridique. Quand on appelle le peuple à se prononcer directement pour adopter la charte fondamentale, un texte aussi solennel que la Constitution, bien évidemment que le texte qui lui est soumis est rendu public. Alors, vous avez effectué la comparaison entre ce premier texte et la Constitution définitive publiée, vous avez relevé 20 changements. C'est assez curieux, c'est assez inédit, c'est assez grave qu'on note quand même des différences de disposition entre un texte soumis au peuple et un texte définitif. Et la situation est tellement grave qu'on ne trouve pas de qualification juridique, parce que c'est inédit, c'est unique dans l'histoire. C'est du faux constitutionnel, c'est de la falsification constitutionnelle. S'il est effectivement avéré que le texte
soumis à référendum est différent du texte promulgué et publié. Et alors là, ça nous ramène à une question fondamentale, c'est-à-dire qui est le gardien de la Constitution, au-delà des questions de procédure, c'est-à-dire un président qui est élu sous l'empire d'une Constitution, qui jure, qui prête serment, qui jure de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, et on se retrouve dans ces situations-là. Mais quel est le recours? Oui, mais là, il y a eu un recours. La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable ce recours-là aujourd'hui. Alors, si la Cour constitutionnelle déclare le recours irrecevable, c'est peut-être que le texte est conforme. Alors, je vous renvoie à votre propos de départ. Vous avez eu la prudence, comme moi, de regarder le texte soumis à référendum qui est rendu public et la Constitution promulguée. Et vous avez relevé, comme moi, des changements. Alors, quand il y a des questions de preuves, de faits, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est-à-dire, il est loisible à qui s'intéresse à la question de se procurer le texte soumis au peuple de Guinée pour qu'il adopte sa constitution par référendum et le texte publié au journal officiel. Donc, sur cette question, ne tournons pas autour du pot. C'est une question de fait. Alors, vous me dites, la Cour a déclaré irrecevable cette requête. Voilà la question de fond. C'est-à-dire que tant qu'en Afrique, en Guinée ou ailleurs, nous n'avons pas des cours constitutionnelles indépendantes, impartiales, légitimes, de par leur composition, qui rendent des décisions de justice de qualité, qui rendent justice aux justiciables, nous n'aurons pas d'état de droit. Et alors la situation devient éminemment grave, c'est très inédit parce que... On va revenir là-dessus sur les conséquences que cela peut entraîner. Et j'ai envie de me tourner vers M. Alioubha, qui est membre du FNDC. Vous qui vous êtes battu pour qu'il n'y ait pas ce changement de constitution, quelles sont les modifications que vous avez vues dans ce texte-là par rapport à celui pour lequel vous avez voté pour ou contre? Mais écoutez, pour nous, il n'y a pas eu d'abord de vote pour ou contre parce que les conditions juridiques n'étaient pas réunies d'abord pour faire abroger la Constitution qui a fait élire Alpha Condé deux fois et sur laquelle il a prêté deux fois serment pour respecter les dispositions. En soi, c'est déjà un putsch constitutionnel parce qu'il n'avait pas l'habilitation de le faire. Donc quand il y a eu le débat qui est ouvert par le camp présidentiel pour les propagandistes sur le contenu d'une constitution, nous sommes restés sur la position de principe. Alors ce qui a été révélé par les juristes, et en l'occurrence l'alerte qui a été lancée par M. P. Antoine Lama, c'était déjà encore une confirmation que ce pouvoir est dans le déni du droit et dans le forfait. Je pense que... Mais est-ce que vous aviez vu ces modifications, puisque même si vous avez lutté pour qu'il n'y ait pas ces élections, elles ont eu lieu, hein, ce vote a eu lieu, est-ce que vous aviez lu le texte initial et celui qui a été promulgué, finalement? Non, mais à partir du moment où la cohérence nous imposait dans notre lutte de ne pas admettre qu'il était possible d'abroger la Constitution et de la faire remplacer, pour des raisons politiques et des raisons de cohérence, et même des raisons d'éthique. Nous n'avions pas à promouvoir une constitution qui, en soi, n'avait pas de raison d'exister. Donc, mais les juristes, on l'a eu, ils ont la liberté de voir les choses comme ça leur convient, et c'est bien en soi, parce que le fait d'avoir révélé ça, c'est une fois de plus, c'est pour montrer que ce pouvoir est dans le forfait, c'est du banditisme systématiquement. On veut nous imposer une dictature en utilisant les moyens les plus détestables qui puissent exister. Et ce qui est grave, c'est quand ça vient d'un homme qui prétend être professeur de droit, en l'occurrence Alpha Condé, qui prétend avoir mené un combat pour la démocratie et l'alternance. Mais c'est pour ça qu'on se dit, en tant que juriste, il ne peut pas commettre ce type d'erreur-là. On se dit que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dû comprendre. Mais ce n'est pas une erreur, c'est délibéré. Je rappelle que dans les colonnes du journal Le Monde, il y a quelques mois de cela, qu'il avait déclaré que partout dans le monde où les constitutions ont été changées, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des victimes, mais cela a été fait. Donc il était prédisposé, il a lancé officiellement dans le quartier général de son parti un appel à l'affrontement. Aujourd'hui, les Guinéens ont enregistré plus de 200 familles endeuillées sans qu'il n'y ait aucun cas pour lequel il y ait eu de la justice. Et jusqu'à présent, nos compatriotes sont en prison, on est kidnappés en pleine journée dans la capitale à Conakry. Tout ceci dénote que ce n'est pas une erreur. Il a décidé de faire un forcing, quelles que soient les conséquences que cela va générer sur la Guinée et les Guinéens, peu importe,
Et quand j'ai entendu tout de suite le premier intervenant qui est son représentant, on voit la légèreté avec laquelle ils prennent cette situation-là. C'est assez catastrophique. Monsieur Souleymane Keïta, vous êtes interpellé là-dessus. Lorsque vous écoutez toutes ces personnes qui estiment que non, le texte n'est pas celui qui a été proposé à référendum, quelle est votre réaction? C'est encore de la propagande? Je crois que vous comprenez vous-même à les entendre ou à l'entendre celui de l'opposition, on a l'impression que le ciel tombe sur Conakry. Alors que les gens vaquent tranquillement à leurs affaires ici. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a eu des affrontements, monsieur Souleymane Keïta. Oui, mais c'était prémédité par l'opposition. Vous avez vu dans quel pays l'opposition qui dit qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je ne participe pas aux élections et je vais les empêcher. Moi, je n'ai jamais entendu ça. On a demandé aux Guinéens de s'exprimer sur une constitution qui a été proposée par le président après avoir respecté toute la procédure. Notamment validé en Conseil des ministres, l'avis consultatif du président de l'Assemblée nationale, l'avis de la Cour constitutionnelle sur la forme, tout cela a été respecté. Maintenant, des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi ont pensé que les Guinéens ne pouvaient pas voter parce que tout simplement, eux, ils ne participent pas à ce vote. C'est quand même extraordinaire. Donc aujourd'hui, ce que je vous dis, nous avons une constitution et je réitère que c'est à l'initiative des députés toutes tendances confondues à l'Assemblée nationale actuelle, que nous avons introduit la requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour nous clarifier. Parce que moi, je ne suis pas étonné que plusieurs moutures circulent. Oui, mais dans le même temps, lorsqu'on dit plusieurs moutures, quand on a voté, on a voté, on a voté sur un texte, on vote pour quelque chose de précis. On ne peut pas le retoucher après ou le retoucher à loisir. Là, je me tourne vers monsieur Cheikh Sakho. Vous qui entendez cela de là-bas, qui êtes parti du gouvernement volontairement parce que vous ne vouliez pas participer à cette modification de la Constitution, à laquelle vous n'étiez d'ailleurs pas associé, qu'est-ce que cela vous inspire? Et est-ce que vous avez lu ces différents textes dont on parle? Écoutez, alors moi j'ai écouté les différents intervenants que je salue au passage, hein, tous les quatre. D'une part, alors il y a dichotomie ou ambivalence entre ces deux textes. Alors je rappelle que d'une part, le projet soumis à référendum le 22 mars, ce texte, évidemment, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moutures, mais celui qui a été publié au journal officiel, qui comporte 157 articles, et qui a été cacheté, paraché par le ministre de la Justice d'alors, c'est celui-là qui a été soumis à référendum. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'autre part, le second texte de constitution, différent du premier, promulgué, publié après le référendum, 14 avril, et c'est là où il y a hiatus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le problème, c'est que le second texte ne correspond pas au premier. Il y a une vingtaine de dispositions qui ont été soit modifiées, soit falsifiées. Alors, deux ou trois exemples, simplement. Les dispositions concernant les candidatures individuelles à l'élection présidentielle ont disparu. Deuxième exemple, introduction des parrainages pour les dites élections présidentielles. Et surtout, le troisième exemple qui m'interpelle en tant que juriste et en tant qu'ancien ministre de la Justice, ça concerne la justice. Par exemple, l'article 13 du projet approuvé par référendum énonce de façon claire le principe de l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. Et curieusement, dans l'article 13 du texte promulgué, cela est supprimé. C'est-à-dire que l'indépendance et l'impartialité des tribunaux est supprimée. Tout à fait. On consacre uniquement la compétence des tribunaux. Voyez-vous, il n'y a pas besoin de discourir. C'est quand même assez grave. Moi, je ne fais pas de surenchère. Je dis simplement, on est dans une république. Il faudrait absolument trouver le ou les auteurs de cette falsification pour qu'ils puissent répondre. Puisqu'on arrive au terme de la première partie de ce magazine, j'ai envie, dans la seconde partie, que l'on prenne dans le détail les changements qu'il y a eu et puis qu'on discute de ce qui va se passer. Une fois qu'on a vu qu'il y a des modifications, qu'il y a des changements, que se passe-t-il? C'est quoi le recours? Et est-ce qu'il y a vraiment eu des changements notables? On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie des débats africains. Restez à l'écoute et on se retrouve très très vite. Le débat africain, Alain Foucault.
Le 6 avril dernier était promulgué le texte constitutionnel permettant, entre autres, au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Seulement, le texte final publié au journal officiel le 14 avril comportait des différences avec l'original soumis à référendum, ce qui a évidemment relancé de plus belle le débat sur la validité de cette constitution, et un peu plus sur le terrain juridique maintenant. Bien que le Conseil constitutionnel ait jugé irrecevable la requête introduite par certains acteurs politiques et quelques juristes, le sujet est loin d'être clos à Conakry, qui a saisi la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, afin qu'elle se prononce sur ce qu'il considère comme une infraction de faux en écriture du président Alpha Condé. Cette constitution, dont certains termes et articles ont été retouchés, est-elle valide? Peut-on parler de falsification ou de faux en écriture? Dans ce cas, quelle est la constitution qui s'applique? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la modification de la constitution en Guinée. Plusieurs invités au téléphone pour en débattre. D'abord, Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. Maître Pépé Antoine Lama est celui qui a lancé l'alerte quant à la modification de la constitution qu'il a qualifié de falsifié. Notre second invité est le député Souleymane Keïta, le porte-parole de la campagne référendaire et législative. Souleymane Keïta, ancien conseiller chargé de mission du président Alpha Condé, est le coordinateur de la cellule de communication de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Notre troisième invité est Monsieur Aliou Ba, membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, un regroupement civique qui a initié une série de manifestations depuis le 14 octobre 2019 en Guinée pour protester contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution qui conduirait le président Alpha Condé à un troisième mandat présidentiel. Cheikh Sako, notre quatrième invité, est l'ancien ministre de la Justice qui a démissionné en mai dernier du gouvernement, expliquant sa décision par son opposition à la révision constitutionnelle envisagée par le chef de l'État, se plaignant de n'avoir pas été associé à la rédaction de cette nouvelle constitution malgré sa qualité de garde des Sceaux. Il vit à Montpellier dans le sud de la France. Notre dernier invité est en direct de Dakar au Sénégal, Dr Ousmane Kouma, enseignant-chercheur, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Alors dans la première partie de ce magazine, on a vu que personne n'est d'accord sur le fait qu'on puisse modifier cette constitution. Et M. Souleymane Keïta, le député, dit « on n'a rien modifié ». Vous avez peut-être pas la bonne mouture. Maître Pépé Antoine Lama, qu'est-ce qui a été modifié dans cette version promulguée? Lorsque vous faites une lecture conjointe des deux textes, je veux parler du document publié au journal officiel avant le référendum et du document publié le 14 avril 2020 comme étant la nouvelle constitution de la République de Guinée. Vous verrez qu'il y a eu des modifications substantielles de 21 articles. Je veux citer les articles 13, rapidement. 31, 37, 39, 42, 43, 47, 68, 71, 76, 77. Il y en a un sacré nombre, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais laquelle est la plus importante et qu'est-ce qui vous dérange dans ces changements-là? Beaucoup de changements dérangent dans cette histoire. Parce que vous ne pouvez pas soumettre un texte au référendum et venir après sortir un autre qui est différent de ce que vous avez soumis au référendum. Pendant la campagne pour l'adoption de la nouvelle constitution, les promoteurs de la nouvelle constitution s'étaient tapés la poitrine pour dire au peuple de Guinée que nous avons eu, n'est-ce pas, le privilège d'instituer désormais une candidature indépendante. On n'aura plus besoin de se présenter sous la bannière d'un parti politique pour participer aux élections présidentielles. Mmh. Par cet argument, ils ont réussi à emporter, n'est-ce pas, certaines organisations de la société civile qui ont cru en cet argument parce que c'était déjà consacré à l'article 42 du projet qui était soumis au référendum. Mmh. Ils ont battu campagne et on est allé aux élections. Après la proclamation des résultats, on se retrouve avec un texte différent du document soumis au référendum du 22 mars. Mais quel est le but en changeant ce texte, par exemple? Bon, écoutez, heureusement que Souleymane Keïta est de l'autre côté du fil, il est bien placé pour répondre à cette question. Mais lorsque vous faites une analyse de ces changements, vous verrez une volonté, n'est-ce pas, de ces faussaires de recentraliser les pouvoirs de nomination, notamment des membres de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, dans le projet, il était dit que les deux magistrats qui devraient être désignés par l'association des magistrats de Guinée devraient être par elle, par cette association. Mais dans le document publié au journal officiel, au lieu que ce soit l'association des magistrats de Guinée qui désigne, c'est désormais le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Donc le président de la République
en plus de désigner 3 membres, a désormais le privilège, en président le Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, d'ajouter un quatrième membre. D'ajouter un quatrième membre. Maître Cheikh Sakho, ces modifications, vous les avez notées aussi. Lesquelles sont les plus fortes, d'après vous, et quel est le but en changeant cela? Qu'est-ce que ça modifie réellement dans l'esprit de la Constitution? Écoutez, moi j'ai été profondément choqué par ces modifications intervenues. Alors, si vous voulez, sur le projet soumis à référendum, chaque Guinéen s'est positionné, il y en a qui sont pour ou contre, prenez la position de chacun. Mais ce qui est plus grave, c'est que le texte qui a été promulgué et publié, c'est là où il y a la dichotomie. Alors, j'ai cité l'exemple de l'article 13, Maître Lama vient de citer l'exemple de la composition, effectivement, de la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres dispositions qui sont quand même assez majeures. Il y a une vingtaine. J'ai les textes sous les yeux. J'ai l'exemplaire qui a été soumis à référendum, puisque c'est le garde des Sceaux qui l'a tacheté et signé. Très bien. C'est celui que et j'ai ensuite, ici. Oui. On a celui qui a été. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas, Monsieur Keta, je pense que je le demande de voir avec la chancellerie à Conakry pour voir où est ce hiatus là, puisqu'il semble dire le contraire. Il y a hiatus quelque part. Donc, c'est très grave. La conséquence, c'est qu'il a été inclus dans le nouveau texte plusieurs dispositions liberticides, susceptibles de créer de graves conflits dans le pays plus tard. Donc, il est temps encore de revenir en arrière et d'en tirer les conséquences. Alors, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, est-ce qu'on peut dire que cette constitution est valable, est valide aujourd'hui, M. Souleymane Keïta? Quelle est la constitution qui est valide aujourd'hui? Mais la Guinée est gouvernée par les lois, et ces lois émanent d'un certain nombre d'institutions. Je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a pris un arrêt pour apporter la clarification nécessaire soulevée à dessein par des personnes. Alors, quand vous parlez de mes interlocuteurs, pratiquement, ils sont tous du FNDC. Ça ne pose pas de problème, c'est vrai. Mais il est important que l'on ne se mette pas dans une logique de nier l'existence même de la République. Pour l'instant, celui qui appartient au FNDC, c'est M. Alioubah. Les autres sont des juristes. Mais M. Antoine Pépé est avocat du FNDC, je vous l'apprends alors. Mais il n'est pas membre du FNDC, il n'est pas pour autant membre du FNDC. Nous, on est sur le terrain guinéen, on sait comment ça se passe. C'est très important de le préciser au passage. D'accord, maintenant, une fois que c'est précisé, quelle est la suite aujourd'hui? C'est vrai que la Cour constitutionnelle dit, pour elle, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas recevable de cette requête. Mais il n'y a aucun problème. Je vous dis que c'est un souci. Parce qu'on a été un peu confus quand on a vu toutes ces déclarations qui faisaient état des falsifications. Parce que pour moi, quand vous dites falsification, c'est comme si une constitution qui est en vigueur, vous la changez en introduisant des choses qui n'étaient pas là auparavant. Oui, mais dans le même temps, quand on a les deux textes, il y a quand même des différences notables. Hein. J'en ai compté 21 différences. Comment l'expliquer concrètement? Les deux textes dont on parle, quelque part, il y a une volonté de nuire, simplement. À ce que je sache, la Cour constitutionnelle étant l'institution en matière juridique la plus élevée dans notre pays, s'est prononcée là-dessus. Et c'est une institution indépendante, tout le monde le sait. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas ce que l'opposition veut entendre qu'on va mettre en doute. Oui, mais c'est ça, non. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle ne dit pas ce que l'opposition et les membres du FNDC veulent entendre qu'elle n'est pas crédible. Non. Elle travaille au regard de la loi. Et à partir du moment où elle a pris un arrêt qui a été fait sur la demande des députés de l'opposition et de la mouvance, pour nous, il n'y a pas de confusion possible à faire. On est déjà dans la Constitution qui a été adoptée le 22 mars et publiée le 14 avril dans le journal officiel de la République, et puis la marche continue. La marche continue pour vous aussi, M. Alioubah? Mais écoutez, nous continuerons de nous battre pour notre pays. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations qu'un petit clan d'opportunistes qui pense que la Guinée encore peut replonger dans une nouvelle dictature. Nous sommes venus de loin. Souleymane Keïta n'hésitera pas de vous dire que même notre cher docteur de l'Université du Sénégal et du FNDC, ce ne sont pas des raccourcis comme ça qui peuvent nous distraire. Il est très léger dans ses arguments, mais il est à l'image de Alpha Condé et de tous ceux qui ont défendu. Heureusement d'ailleurs que nous participons à ce débat avec l'ex-ministre de la Justice qui s'est exprimé clairement. C'est vraiment choquant pour son pays, mais il faut avoir des ambitions pour son pays pour le ressentir. Il faut s'inquiéter surtout des conséquences politiques, sécuritaires et en termes de stabilité pour son pays pour se faire un souci. Mais quand vous avez des gens qui ne sont aveuglés, obsédés que par l'idée de rester au pouvoir pour piller les ressources de la Guinée et profiter de cela
et encore replonger la nouvelle génération dans un autre chaos politique qui va remettre en cause l'avenir de notre pays. Et je dirais qu'il faut faire très attention. Nous sommes dans une sous-région très fragile. Nous aurions voulu que la Guinée, à partir du moment où en 2010, un civil dit opposant a été élu, qu'on ait tourné la page de la dictature et qu'Alpha Condé, qui recommandait même des méthodes violentes contre les chefs d'État qui refusent le principe de l'alternance, c'est lui aujourd'hui qui est dans la logique de la confiscation du pouvoir. Il n'y a pas de légalité dans la procédure, c'est un déni du droit. Moi, je ne reviendrai pas sur ce que les juristes, les éminents juristes ont dit tout à l'heure, mais c'est évident que la Guinée, aujourd'hui, a besoin d'être sauvée. Dans le même temps, on vous dit, monsieur Alioubak, qu'on a vu changer les constitutions ailleurs, des gens qui ont changé les constitutions pour briguer un troisième mandat, que la question du troisième mandat ne doit pas être tabou. Qu'est-ce que vous dites? C'est bien possible que l'on puisse modifier une constitution? Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de respecter les dispositions d'une constitution qui a fait élire un président et sur laquelle il a prêté deux fois serment. Il ne s'agit pas de faire une comparaison absolue entre les constitutions. S'il y a un pays où la constitution autorise un nombre de mandats illimité, ça peut exister. Mais Alpha Condé lui-même a prêté serment sur une constitution qui lui interdit de faire plus de deux mandats. Raison pour laquelle il a fait une démarche de forfaiture pour la faire abroger et la faire remplacer par un texte qui lui donne tous les pouvoirs afin de s'imposer comme étant un dictateur à la République de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de principe. Et je pense que le serment étant sacré, l'homme aurait dû penser à son honneur et au combat qu'il prétend avoir mené et quelle image il veut que l'histoire retienne de lui. Ça, c'est extrêmement important. Docteur Ousmane Kouma, face à ce point de droit, maintenant que la Cour constitutionnelle a déclaré la requête non recevable, quelles sont les autres voies de recours? Là, ça va être extrêmement compliqué parce que dans votre question précédente, c'est qu'est-ce qui dérange dans les changements? Ce qui dérange d'abord, c'est même avant de regarder les modifications apportées, le principe même. On a eu recours à un référendum et non pas à une modification par voie parlementaire. Donc c'est le souverain, le peuple, qui s'est directement exprimé pour dire « voici ma constitution ». Il se trouve qu'on apporte des modifications qui touchent sur les candidatures indépendantes, sur l'impartialité de la justice, etc. Dans d'autres matières qu'en droit constitutionnel, parce que ça, je vous le répète encore une fois, que c'est inédit en droit constitutionnel, c'est une première dans l'histoire, le juge aurait juste dit que c'est nul et de nul effet. Un texte qui a été adopté par référendum, une autre mouture qui est différente, et le juge dit que la requête est irrecevable. Et je vous disais que dans ces conditions-là, quand on n'a pas une cour constitutionnelle fiable, et le problème malheureusement est assez répandu en Afrique, le propre d'une société civilisée, c'est que le contentieux se règle par voie juridictionnelle. Quand les juridictions ne jouent pas ce jeu-là, on rentre dans un rapport de force éminemment politique. Un de vos invités disait « Dans quel pays l'opposition vous dit-elle que l'élection n'aura pas lieu ?» Je vous parle de Dakar. Nous célébrions il y a quelques jours le 23 juin à Dakar, le mouvement du 23 juin, où une majorité du peuple sénégalais est sortie dans la rue pour manifester, pour obliger le président Wade à l'époque à reculer par rapport à certaines modifications constitutionnelles. Et lorsque même il a fait le forcing et s'est présenté, et il a été battu. Donc là, maintenant que le terrain juridictionnel est absolument épuisé parce qu'il n'y a rien à attendre des juridictions internes et on ne peut pas vraiment internationaliser parce que pour saisir la CEDEAO, il faut des problèmes de droits fondamentaux. Bref, la communauté internationale elle-même ne joue pas toujours le jeu parce que privilégie la stabilité des régimes au détriment du respect des constitutions. Donc c'est cette banalisation de la constitution-là qui pose véritablement un problème. La constitution fixe à la fois le statut du pouvoir de l'État, mais aussi les droits fondamentaux des citoyens. Déjà, il y avait polémique, une vraie discussion sur ce troisième mandat. Maintenant, on passe carrément à un autre niveau inqualifiable, qui est que même à ce niveau-là de forfaiture, on continue quand même. Quelle est la solution? Il ne faut pas tomber dans le juridisme forcené. La solution n'est pas juridique parce qu'il n'y a rien à attendre de la Cour constitutionnelle. C'est maintenant, d'un point de vue politique, la stratégie de l'opposition de ne pas aller dans le boycott. Mais là, dans l'immédiat, personne n'a envie de voir s'embraser à nouveau la Guinée. Tout le monde voudrait que ça se passe dans le plus grand calme. Alors, je me tourne vers l'ancien ministre de la Justice, Maître Cheikh Sakho. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il n'y ait pas de violence, mais que les règles de droit soient respectées? Écoutez, M. Foucault, moi, sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est vrai que cet arrêt est assez curieux, et ça se passe aux commentaires. J'aurais souhaité au moins que la Cour puisse soulever des erreurs matérielles, puisque l'évidence est là, quand on a les deux textes. Il n'y a pas besoin de faire de la magie. Non. Donc,
et en tirer les conséquences. Donc, quelle solution? La solution en Guinée, il faut qu'on aille vers un dialogue politique en Guinée. Mais attention, un dialogue politique où tout soit mis sur table, clairement, les conditions des uns et des autres, et les purger. Sinon, on s'achemine vers des... Mais est-ce que ça, c'est une solution envisageable aujourd'hui? Est-ce que vous qui connaissez l'environnement politique, social guinéen, c'est envisageable que l'on s'asseye aujourd'hui pour discuter? Puisque aujourd'hui, comme le dit M. Souleymane Keïta, la chose est entendue. La Guinée a une constitution. Mais si la cause est entendue, il faut souhaiter aussi que le bon sens et la sagesse des uns et des autres prévalent sur d'autres considérations. Il faut souhaiter que le président de la République comprenne et ne se présente pas pour un troisième mandat. Je pense que ça, c'est déjà une bonne solution. Vous voyez que je mets le pied dans le plat. Pour vous, aujourd'hui, s'il ne se présente pas pour un troisième mandat, ça réglerait ce débat. Le débat serait clos. Absolument. Monsieur Souleymane Keïta, quand vous entendez ça, vous dites quoi? Est-ce que le président va se présenter? On entend déjà qu'il va se présenter. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'asseoir pour discuter de tout ceci? Non. Moi, je pense que les questions de la République ne se pas autour des personnes, mais il faut les discuter de manière institutionnelle. Le président de la République, pour le moment, est en train d'achever son deuxième mandat. Et pour ce qui est de sa candidature, j'ai toujours dit qu'il y a deux conditions. La première, c'est la condition légale. Est-ce que la loi l'autorise? Bon, là, maintenant, selon cette constitution, oui, la loi le lui permet. Et puis, on ne va pas tourner autour du pot. On sait bien qu'il a envie de se représenter. Il n'a pas fait mystère de cela. La loi autorise, ça, c'est une première condition. Deuxièmement, c'est personnel. Pour le moment, il ne nous a rien dit. Mais en tant que membre du parti, nous avons l'habitude d'organiser des conventions. Et c'est seulement à la convention que le parti peut se prononcer sur qui est candidat ou non. Pour ce qui est du dialogue, vous savez, ces derniers temps, depuis pratiquement 2010, on nous a même accusé de vouloir gouverner le pays par consensus, tellement le président tient à l'inclusivité dans tout ce qui est décision importante dans la vie de la nation. Maintenant, la main tendue, elle reste tendue et tout peut se discuter. Mais faudrait-il qu'on soit autour d'une table pour discuter? Mais je ne crois pas parce que avec cette opposition qui a fait de la violence sa méthode de travail, vous comprendrez, et avec toutes les méthodes cyniques que vous pouvez imaginer. On a vu les opposants ici, l'autre parlait tout de suite d'arrestation. Mais comment voulez-vous que des gens prennent des armes à des armes de fâche pour aller empêcher aux gens de voter et tirer sur les gens? On a voulu faire exploser des citernes à Conakry, des stations totales, uniquement pour que l'élection n'ait pas lieu le 22. C'est quand même déplorable, tout ça. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que vous dites, il y a une main tendue. Il y a une main tendue pour pouvoir discuter, qu'on sorte de la violence et qu'on puisse s'asseoir autour d'une table. Maître Pépé-Antoine Lama, cette main tendue, vous l'entendez? Bon, écoutez, je laisse aux politiques répondre à cette question. Alors, on va tout poser la question rapidement à M. Alioubat. Est-ce que cette main tendue, vous l'acceptez? Écoutez, il n'y a pas de main tendue, parce qu'il n'y a aucune sincérité en ce qui se dit. D'ailleurs, c'est dans un bout de phrase qu'Alpha Condé parle de dialogue. Il n'inspire confiance en personne. En plus, c'est une question de principe. Pour nous, la question de sa candidature ne doit pas se poser. L'ancien ministre de la Justice vient de le dire dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de parler de dialogue. Dans un pays d'ailleurs où on parle que de dialogue, ça veut dire que les lois ne sont pas respectées. Alors quand j'entends Souleymane Keïta, c'est assez triste de mentir à un tel niveau, parce qu'on sait aujourd'hui que nous avons plus de 200 de nos compatriotes qui ont été massacrés dans ce pays. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont kidnappées. Je ne parle même pas d'arrestation parce que ça n'obéit à aucune règle du droit. Tous ceux-là, ils sont indifférents, ils sont assis sur des cadavres. C'est eux aujourd'hui qui prétendent nous donner des leçons de violence, étant donné que nous sommes victimes de la violence d'État. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On a du mal à pouvoir vous mettre d'accord sur la question. On espère que nous n'aurons pas à déplorer d'autres victimes dans cette bataille et que vous vous retrouverez autour d'une table pour discuter de cette constitution, parce que c'est vrai. Il y a des différences notables entre ce qui a été soumis à référendum et ce qui a été finalement promulgué. Merci à vous, en tout cas, messieurs, d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.